que le policier soit l'assassin m'intéressait beaucoup, dans la mesure où la police n'avait pas une très bonne image à l'époque. Il y avait l'Algérie, etc., mais on n'en parlait pas du tout. Donc c'était un moyen d'en parler indirectement. Le fait aussi que ces jeunes policiers voulaient aller en Afrique du Sud. Donc il y avait les côtés racistes, enfin, qui étaient renforcés. Mais je n'ai pas pu le faire comme je voulais, parce que quand la censure, à l'époque, a lu le scénario, a dit non, un policier ne peut pas être ça. Si vous ne changez pas ça, eh bien, on ne vous donne pas l'autorisation pour tourner en ville. Et c'était impossible de tourner les films. J'étais à la police, mon temps a pris rendez-vous, peut-être le nom va me venir, et il a dit non. Il voulait quand même faire plaisir à mon temps. Et mon temps n'a pas voulu venir, probablement parce qu'il ne pouvait pas promettre quoi que ce soit. Et il a dit, pourquoi vous n'en faites pas un stagiaire de la police? Alors on a fait un stagiaire de la police, c'était la seule façon de... Voilà. Eh bien, on a pu tourner comme... Mais moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le rythme qu'on pourrait faire aux policiers. On faisait des policiers à l'époque, un tout petit peu parlant beaucoup, des interrogatoires, un peu qui s'étendaient beaucoup pendant les interrogatoires. Et puis, j'ai ajouté des espèces de poursuites à la fin, comme ça, qui est une plaisanterie. Et pour laquelle on n'avait pas les moyens, parce que le producteur a dit on ne peut pas. Il a dit non, on va. On a pris des jeunes types qui n'étaient pas du tout des cascadeurs, et je transformais ma voiture, ma Dauphine, en voiture de police. On a pu le faire comme ça. On a tourné d'ailleurs sans aucune préparation, le soir, trois nuits je crois, on a tourné avec ces jeunes. Et il y a à la fin cette espèce de cascade qui n'est pas du tout prévue, à tel point que j'ai dit aux jeunes acteurs, écoute, mais là, au futur, tu seras dans tous mes films, ça t'intéresse. C'est ce que je fais d'ailleurs par la suite avec lui. Sans doute, le film a des influences de René Clément. Moi, je travaillais avec Clément, j'ai fait deux films avec lui, j'ai vu que c'était un grand technicien, Clément. Et j'ai vu que l'utilisation de la caméra et l'utilisation aussi du montage. Ça, les deux choses qui sont, à mon avis, absolument indispensables pour un film. Clouzot, j'avais travaillé un peu avec lui. Parce que pour l'enfer, j'avais passé deux ou trois semaines avec lui, etc. Et puis ça, le film s'est retardé, moi j'ai commencé à faire compartiment tueur. Mais sans doute, ces influences-là sont très présentes dans le film, et c'est poursuivi probablement après dans mes autres films. Parce que je crois que le rythme du film est indispensable, parce que j'ai comme le rythme, et les montages. Participer au montage, faire les montages du film pour le metteur en scène, c'est indispensable. Et le montage n'est pas seulement, d'ailleurs...